acclamations à Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avec des cris de victoire, Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Praise the Lord. Après la Pentecôte, after the Pentecost, il faut se mettre au travail. We have to go back to work. Tu écris dans ton cahier après la Pentecôte point. You write in your notebook after the Pentecost. Première phrase, après la Pentecôte, il faut se mettre au travail. After the Pentecost, we have to go to work. Lisons un texte dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapter 10. Verset 1 à 7. Verse 1 to 7. Et écoutez. And listen. Le leader mondial m'a appelé cet après-midi. The world leader called me this afternoon. Il dit que vraiment, il est même impossible d'envisager faire un cadeau à quelqu'un. Tellement nous, les vainqueurs sont nombreux. He says, really, it is impossible to think about making a gift to someone because those who have overcome are numerous. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu 1550 jeunes de 40 jours. For those who don't know, we have 1550 fasts of 40 days. Sans like, compter les 21 jours. Like the Bible says, without counting the 21 days. C'est-à-dire le Saint-Esprit a rendu les jeunes vulgaires. That means the Holy Spirit has made that fasting becomes very common. Tout le monde peut jeûner. Everyone can fast. Je lui ai dit, je veux saluer l'Église en son nom. Je dis pour dire merci. He said I should greet the church in his name and tell you thank you. Après la Pentecôte, after Pentecost, il faut se mettre au travail. We have to put ourselves to work. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Seltsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb at Zelza on the border of Benjamin. They will say to you,
The donkeys you set out to look for have been found, and now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, what shall I do about my son? Then you will go on from there until you reach the great tree of Tabor. Three men going up to worship God at Bethel will meet you there. One will be carrying three young goats, another three loaves of bread, and another a skin of wine. They will greet you and offer you two loaves of bread, which you will accept from them. After that, you will go to Gibeah of God, where there is a Philistine outpost. As you approach the town, you will meet a procession of prophets coming down from the high place with lyres, timbrels, pipes, and harps being played before them. And they will be prophesying. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. And you will be changed into a different person. Verse 7. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Amen. Relis le verset 7. Read verse 7. Le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, once these signs are fulfilled, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Do whatever your hand finds to do, for God is with you. Vous notez ceci. You write this down. Quand une personne reçoit la plénitude du Saint-Esprit, when someone receives the fullness of the Holy Spirit, quand une personne reçoit la plénitude du Saint-Esprit, when someone receives the fullness of the Holy Spirit, elle doit maintenant vaincre la peur, l'angoisse, la frayeur et le doute. That person has to overcome fear, anguish, fright and doubt. Elle doit vaincre la peur, l'angoisse et la frayeur. She has to overcome fear, anguish and fright. Et le doute. And doubt. Elle doit s'engager au combat pour la victoire. That person should commit himself into the battle for victory. Quand on est rempli du Saint-Esprit, when we are filled with the Holy Spirit, on a le courage. We have the courage de s'engager dans la bataille. To commit ourselves into battle. On ne doute plus. We no longer doubt. On triomphe du doute. We overcome doubt. Parce que l'homme qui est né de l'esprit est comme le vent qui souffle où il veut. Because the man who is born of the spirit is like the wind, he blows wherever he wants. L'onction fait de telle sorte que l'homme devienne un autre homme. The anointing made in such a way that a man becomes a different man. Commence au verset 6. Start from verse 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. The spirit of the Lord will come down upon you. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. And you will prophesy with them. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. And you will be changed into a different person. Quand l'esprit te remplit, when the spirit fills you, tu deviens un autre homme. You become a different man. Alléluia. Praise the Lord. Tu deviens un autre homme. You become a different man. Continue. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Continue. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi.
et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos, Saul turned, pour se séparer de Saül, to leave Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dès que Saül eut tourné le dos, se séparer de Samuel, as once as Saul turned to leave Samuel, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, as Saul turned to leave Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. God changed Saul's heart. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. And all these signs were fulfilled the same day. La plénitude est une révolution. It's a revolution. Mais l'erreur que certains commettent, but a mistake that we often commit, ils attendent des manifestations extraordinaires. Is that they wait for extraordinary manifestations. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Certains ont été remplis dès le premier jour. Some has had been filled with the Holy Spirit from the very first day. Pour certains, 40 jours, c'était seulement le débordement, un nouveau débordement. For some, the 40 days was just an overflow, a new overflow. Mais il y a des indices. But there are signs. Il y a une présence dans ton cœur. There is a presence in your heart. Une certaine certitude. A certainty. Que ton cœur a été purifié. That your heart has been made whole. Ça, c'est le signe commun. This is the common sign. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont tomber, mais ils ne sont pas tombés. There are some people who thought that they were going to fall, but they didn't fall. Ils admirent ceux qui sont tombés. And they admire those who have fallen. Certains ont eu des visions. Some had visions. Ceux qui n'ont pas eu des visions admirent ceux qui ont eu des visions. Those who didn't have visions, they admire those who had visions. Mais écoute. But listen. Est-ce que tu as reçu un autre cœur? Did you receive another heart? C'est la preuve fondamentale. That is the basic proof. Dieu lui donna un autre cœur. God gave him another heart. C'est ce qu'il annonce dans Ézéchiel. Je vais te donner un autre cœur. This is what God announces in Ezekiel. I'm going to give you another heart. Le deuxième signe évident. The second sign that is evident. Est-ce que tu sens le désir de dire la vérité, de marcher dans la lumière, de te repentir? Parce qu'il dit, le cœur qu'il va te donner sera capable d'obéir à Dieu. Do you feel the desire to say the truth, to walk in the light, to repent? Because the heart that is going to give you is the heart of repentance and obedience. Il dit, si tu vois quelque chose à faire, fais-le. He says, if you see something to do, do it because God is with you. Est-ce que tu sens le désir de faire ce qui est devant toi? Do you have the desire to do what is ahead of you? C'est un signe. It is a sign. Puissant. A powerful sign. Qui montre que tu es rempli. Which shows that you are filled. Mais tomber par terre. But falling on the ground. Et se lever. And getting up. Pour forniquer, ce n'est pas le Saint-Esprit. To commit fornication, it's not the Holy Spirit. Tomber par terre. To fall down. Se lever. And to get up. Pour manifester l'orgueil et la vengeance, ce n'est pas le Saint-Esprit. To be proud and to want to have bitterness in your mind. Parler en langue. The Holy Spirit, speaking in tongues. Et se quereller. And to quarrel after. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. It's not the Holy Spirit. Dieu lui donna un autre cœur. God gave him another heart. Être rempli. In order to be filled. Être craintif, lâche. To be fearful, coward. Pardonne-moi. Forgive me. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. You are not filled with the Holy Spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Au lieu de service. Hey, viens ici. At your workplace. Hey, come here. Donne-nous la bière. Give us beer. Toi, tu ne bois pas. Donne-nous, nous allons boire. You don't drink. Bring it, we are going to drink.
Tu appelles ton faisait le disciple. Je fais comment? On me dit de donner la bière. You call your disciple maker. What should I do? I'm asked to bring beer. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. You are not filled with the Holy Spirit. Ce que tu trouves devant toi. What you see ahead of you. Le travail que tu trouves devant toi. The work you see ahead of you. Fais-le. Do it. Dieu est avec toi. God is with you. C'est un signe. It is a sign. Celui-ci est rempli du Saint-Esprit. That this one is filled with the Holy Spirit. Ça fait depuis tu planifies, je vais aller à la chaîne, je vais aller à la chaîne. Depuis, tu ne fais que planifier. Je vais aller à la chaîne, je vais aller prier à la chaîne. Ever since you just make plans, I'm going to go to the prayer chain, I'm going to go to the prayer chain. Maintenant, tu es rempli. Now that you are filled. Tu ne sens rien. You don't feel anything. La chaîne ne t'attire pas. The prayer chain doesn't attract you. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. It means that you're not filled with the Holy Spirit. Quand on est rempli, when we are filled, la tâche qui est devant, the work that is on ahead, s'attaque, on l'attaque, on l'entame, we attack and we start sans frayeur, without any fear. Si, même si c'est le combat, even if it is a warfare, que tu n'as qu'une fronde, and that you have just a slingshot. Tu ne dis pas, je veux d'abord aller fabriquer les armes. You say, I'm going to make weapons. Ce que tu as en main. What you have in your hand. Tu attaques l'ennemi avec. You attack the enemy with that thing. Dieu produit le miracle. God produces the miracle. David n'avait qu'une fronde. David just had a slingshot. Il était rempli du Saint-Esprit. And he was filled with the Holy Spirit. Il a attaqué Goliath sans avoir peur de lui. And he attacked Goliath without being afraid of him. Ce que tu as devant toi, ce que tu as à faire. What you have to do that lies ahead of you. Fais-le. Do it. Dieu est avec toi. God is with you. Si ton cœur ne te demande rien, ne te commande rien, continue. N'arrête pas avec les autres. Continue à plaider. Pour toi va descendre. If your heart does not desire anything, doesn't order you for anything, please move forward. Don't stop with the others. Keep pleading. Reprends le renversement des idoles. Il y a une qui n'est pas tombée. Please start all over with the overthrow of idols. There's surely one that has not fallen. Il y a certainement une. There is surely one. Qui n'est pas tombée. That has not fallen. Vous notez ceci. You write this down. Un homme rempli du Saint-Esprit est un homme qui a reçu un nouveau cœur. A man filled with the Holy Spirit is a man who has received a new heart. Le nouveau cœur reçu permet aux croyants de pouvoir obéir à Dieu. The new heart that you've received allows you to obey to God. En fait, la tâche qui est devant toi. The assigned task that is ahead of you. C'est une tâche que Dieu t'a donnée. It's a work that God has given you. C'est Dieu qui te l'a assigné. It is God that has assigned it to you. Tu avais besoin de la plénitude. You needed the fullness. Pour l'accomplir. In order to accomplish it. Ceux qui ont vraiment été remplis du Saint-Esprit. Those who were truly filled with the Holy Spirit. Et qui refusent volontairement d'obéir. And who refuse deliberately to obey. À cause du moi. Because of self. Parce qu'ils ont honte. Because they are ashamed. De faire ce travail-là. To do that kind of work. Ou parce qu'ils estiment que c'est un petit travail. Ça les rabaisse. Because they think that it's a small work that will bring them down. Ils ne peuvent pas balayer le sol. They cannot sweep the floor. Après de longues études et la plénitude du Saint-Esprit, ça, ce n'est pas ce qu'on doit leur demander de faire. After going for long studies and being filled with the Holy Spirit, that is not what they should be asked to do. Ceux-là, those kind of people, commettent le péché de désobéissance. They commit the sin of disobedience. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Adam n'avait aucun péché. Adam had no sin. Et il était rempli du Saint-Esprit. And he was surely filled with the Holy Spirit. Et il était ça intelligent. Il a donné le nom aux animaux. En un laps de temps, il avait déjà fini. In a twinkle of an eye, he gave the names to all the animals. Et il retenait tout. And he could remember everything. Mais il fut tenté. But he was tempted. Il fut séduit. He was seduced. Et il tomba. And he fell. Un homme rempli du Saint-Esprit.
A man filled with the Holy Spirit peut tomber, peut convoiter le monde. Can lust after the world, can fall. Peut refuser d'obéir. Can refuse to obey. C'est ce qui est arrivé à Saül. This is what happened to Saul. Il avait reçu un autre cœur donné par Dieu lui-même. He had received a new heart coming from God himself. Il a pris ce cœur-là. He took that heart. Il est entré dans la désobéissance. And he entered disobedience. 1 Corinthiens 1, verset 10. First of all, read 1 Corinthians. 1 Corinthians 1, verse 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Amen. Amen. Vous notez ceci. You write this down. La désobéissance peut ramener un homme à l'état animal. Disobedience can bring back a man to the animal state. C'est-à-dire à l'état d'un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. That means to the state where a man is not filled with the Holy Spirit. Qui n'a même pas le Saint-Esprit. Who does not even have the Holy Spirit. Parce que la Bible parle des hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit. Because the Bible talks about carnal man who don't have the Spirit. Il faut demeurer dans la lumière. You have to remain in the light. Dans l'amour. In love. Dans la communion avec les frères. In fellowship with brethren. Dans la communion avec le Père et avec son Fils. In fellowship with the Lord and His Son. Il faut consciemment et volontairement demeurer dans la communion avec les frères. You have to consciously and willingly remain in fellowship with brethren. Comme nous venons de le lire dans 1 Corinthiens. As we read in 1 Corinthians. Et je vous exhorte, frères. Say, I appeal to you, brothers. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. À tenir tous un même langage. That all of you agree with one another. Et à ne point avoir de division parmi vous. In what you say, and that there be no division among you. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. But that you be perfectly united in mind and in thought. J'ai médité. En fait, je reprends la méditation sur Corinthiens. I am meditating again in the book of Corinthians. C'est comme si je suis en train de comprendre les choses de cette manière. De la manière suivante. This is the way I am understanding things right now. C'est une église qui avait véritablement cru. Who had truly believed. Et qui avait reçu le Saint-Esprit avec plénitude. Who had received the fullness of the Holy Spirit. Et qui après and after which, ont commencé à vivre dans le désordre. They started living in disorder. Parce que si tu ne regardes pas bien, tu peux croire que l'Esprit était descendu sur les gens désordonnés et que l'apôtre Paul cherchait maintenant à délivrer. Because if you don't look carefully, you can think that the Holy Spirit fell down on people in a disordered manner, which Apostle Paul is trying to bring back into order. Ils avaient la foi. They had faith. Ils avaient cru. They had believed. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. And they had received the Holy Spirit. Et ils avaient eu des dons spirituels. They had received spiritual gifts. Le témoignage de Paul dit qu'il ne leur manquait aucun don. The testimony of Paul, according to him, he said they were lacking no gift. Mais ils sont tombés dans des divisions. But they fell in division. Celui-ci dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus lui-même. This one says, I'm from Paul, I'm from Apollos, I'm from Peter, I'm from Jesus. Et les convoitises. And they were having lust. Et le désir d'aller manger les viandes sacrifiées aux idoles. And they had the desire to go and eat what was sacrificed to idols. Ils sont retombés dans le désordre. They fell back into disorder. Au point où leur adoration était devenue une confusion terrible. To the level where their worship was a total confusion. Certains étaient sous. Some were drunk. D'autres mangeaient, commettaient les excès de table. Some were eating, having
some were gluttons. Les riches étaient insensibles. Les pauvres étaient là, ils n'avaient rien à manger, mais les riches mangeaient leur beau repas. The rich were heartless. The poor were eating. They had little thing, and the rich were just eating. Et Dieu a envoyé le jugement. And God sent His judgment. Certains tombaient malades, d'autres mouraient. Some were falling sick and some were dying. On peut expérimenter des maladies d'ordre normal. You can have normal sickness. Mais on peut observer des maladies qui sont la main de Dieu, qui sont le jugement de Dieu. But you can see that some sickness are the hand of God, the judgment of God. Et l'apôtre dit que beaucoup étaient morts. And Apostle Paul says many were dead. Et il les appelle à la repentance. And he's calling them back to repentance. Il dit que personne ne vous séduise. He said let no one deceive you. Les adultères, les efféminés, les ravisseurs. Adultery. Les efféminés. Those who are like women. N'hériteront point le royaume de Dieu. None of them will inherit the kingdom of God. Quand on est rempli. When we are filled, on veille sur ses pas. We watch over your steps. On protège la lumière. You protect the light. Jésus a dit que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. He said, "Let the light that is in you not become darkness." Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. We have to cooperate with the Holy Spirit. Et nous allons voir des miracles chaque jour. And we are going to experience miracles every day. Le Dieu qui a commencé à envoyer les anges opérer les têtes et enlever les tumeurs, il va le faire davantage. The Lord who has started doing surgery, operating heads and removing tumors, he's going to do it. Le Dieu qui fait venir la peau du ciel. The God who brings the skin from heaven. Va envoyer les peaux, les dents, les trompes, les utérus. Skins, wounds, and teeth. Les yeux, les seins. Eyes, breast. Qui était là quand une sœur disait que la peau est venue du ciel? Who was there when a sister was testifying that the skin came from heaven? Ne doutons pas. We shouldn't doubt. Dieu va faire plus que ça. God is going to do it. Mais quand on est négligent, but when we are careless, on va se retrouver dans un tableau comme celui des Corinthiens. We are going to find ourselves in a scheme like that of the Corinthians. Un jeune homme a arraché la femme de son père. A young man seized the wife of his father. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? C'est les convoitises. This is lust, covetousness, seduction. C'est le péché. It is sin. Après la plénitude, after the fullness, on peut être tenté que personne ne vous trouve. You can be tempted. Let no one deceive. C'est même toi. It is even you. Le diable va chercher. Quand c'est chaud là, le diable laisse les faux frères, il cherche les vrais croyants. When it is hot, the devil doesn't care about false brothers. He's looking for true believers. Oui, les ivrognes se promènent, ils tombent dans les rigoles, ils se lèvent, ils s'en vont encore boire, ils tombent, ils se blessent. You see drunkards, they just drink and fall in the gutter. They get up, they fall into the gutter. Aucun démon ne se manifeste. No demon will be manifested. Mais dès que l'ivrogne met pied dans une église, on a prêché Jésus. Quand il dit j'accepte, bim, à terre, les démons commencent à se manifester. When a drunkard step into a church and we preach and he accept Jesus, when we just pray, he just falls and start manifesting demons. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le diable ne s'occupe pas des ivrognes. The devil doesn't care about drunkards. Il cherche les Moïse qui veulent sortir. He's looking for Moses who wants to come out. Quand tu es sorti, when you've come out, on rassemble les chars, he brings les together soldats, chariots and soldiers pour te ramener, to bring you back. Toi, tu dois dire non. You have to say no. Je suis rempli du Saint-Esprit. I am filled with the Holy Spirit. Je ne veux pas perdre mon onction. I cannot lose my anointing. Un même langage. Pas de division. Parfaitement unis dans le même esprit. Et same language, dans le même sentiment.
No division among you, but you must be perfectly united in mind and in thought. Écoutez. Listen. Un jour, le Seigneur m'a révélé que certains frères cherchaient ce que j'ai appelé plus tard les fautes pastorales. One day, the Lord revealed to me that some brethren are looking what I call later on pastoral mistakes. Ils souhaitent qu'un pasteur commette une négligence. They desire that a pastor will just live a careless life. Comme ça, il retournera en disant que il a commis telle chose. C'est fini, je m'en vais. C'est and fini. They will just backslide and say that they have committed this sin. I'm going, it's over. Un exemple, quelqu'un peut cacher son anniversaire, il cache. An example, someone can hide his birthday. Il dit, je veux voir, sin même. So I'm going to see if he loves me. Après, tu oublies. Then you forget. Il t'appelle, il dit, mon anniversaire, c'était aujourd'hui. He calls you and says, my birthday is on this day. Je sais maintenant que tu ne m'aimes pas, je m'en vais. Say, I now know that you don't love me. I'm going. C'est fini, c'est fini. It's fini. Over. Tu exhortes, non, c'est fini. You try to quand talk c'est to comme him, ça, he says c'est it's over. On attend, on priait l'ennemi de provoquer une faute pastorale. When it's like that, the person was witching and praying the enemy so that you will commit a pastoral mistake. Donc, je prie beaucoup. So I pray a lot for myself. Pour ne pas commettre de fautes pastorales. So that I will not commit pastoral mistakes. Je sais que parfois c'est par là que Satan va passer pour voler les brebis. Because I know that sometimes the devil can go through that road to steal the flock. Nous devons avoir un même sentiment, un même amour, une même pour que personne ne vous trompe. We must have a same love, a same feeling. Let no one deceive you. Philippiens 2. Philippiens 2. 1 à 4. 1 to 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Même sentiment. Same feeling. Même amour. Same love. Même esprit. Same spirit. Même cœur. Same heart. Ne fais rien. Do nothing. Qui peut blesser les frères. That can wound brethren. Si tu l'as fait. If you've done it. Tu t'humilies. You humble yourself. Tu demandes pardon. You ask for forgiveness. Ne fais rien. Don't do anything. Qui peut troubler ton épouse. That can trouble your spouse. Si tu l'as fait, if you've done it, humilie-toi. Humble yourself. Demande-lui pardon. Ask her for forgiveness. Ne fais rien. Don't do anything. Qui peut frustrer ton mari. That can frustrate your husband. Si tu l'as fait, if you've done it, humilie-toi. Humble yourself. Demande-lui pardon.
Then ask for forgiveness. Ne fais rien. Don't do anything. Qui peut causer le doute dans l'esprit de ton disciple. That can place doubt in the spirit of your disciple. De la personne que tu es en train de bâtir comme disciple de Christ. And the person that you're building up as a disciple of Jesus. Si tu commets une faute contre une telle personne. If you do a mistake against such a person. Humilie-toi. Humble yourself. Demande-lui pardon. Ask for forgiveness. Et vous continuez. And you move on. On n'est pas disciple de quelqu'un parce qu'on est faible ou idiot. You're not someone's disciple because you're weak or you're an idiot. C'est parce qu'on aime Jésus. It's because you love Jesus. La Bible dit. The Bible says. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Submitting yourself one to another into the fear of the Lord. Quand j'appelle un frère. When I call for a brother. Tu es où? Where are you? Viens. Come. Quand il vient. When he comes. Ce n'est pas parce que je suis fort. It's not because I am strong. C'est parce que son cœur est attaché à Jésus. It's because his heart is attached to Jesus. La crainte de Jésus. The fear of Jesus. L'amène à obéir à l'homme. Brings him to obey man. Et il y a une bénédiction qui dit. And there is a blessing which says. Celui qui vous écoute, m'écoute. The one who listens to you, listens to me. Donc si tu blesses un tel frère. So if you wound a brother, tu dois lui demander pardon. You must ask him for forgiveness. On ne doit même pas t'exhorter. They shouldn't even encourage you. Il y a des gens, il faut d'abord les exhorter jusqu'à ce que la salive finisse dans la bouche. There are some people you have to appeal to them until your saliva dries up in your mouth. Et quand ils ont pitié de toi, ils disent je pardonne. And when they have mercy on you, they say okay, I'll forgive. Quand tu fais ça. When you do that, tu diminues ta part d'héritage. You reduce your heritage. Tu diminues ta part de bénédiction. You reduce your own blessing. Tu diminues ta part de bénédiction. You reduce your blessing. Si tu as frustré quelqu'un, if you frustrated someone, tu dois lui demander pardon. You must ask for forgiveness. L'orgueil ne doit pas dominer sur nous. Pride shouldn't dominate over us. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. This is the Holy Spirit teaching. Alléluia. Praise the Lord. Toutes les batailles menées par la puissance de la chair ne peuvent pas établir les gens dans une victoire définitive. Vous écrivez ça. Si tu veux, tu mets en rouge. Every warfare that is waged by the power of the flesh can never bring someone to complete victory. Toutes les batailles, every warfare menées par la puissance de la chair, that is led by the power of flesh, ne peuvent pas établir les gens dans la victoire. Cannot establish people in victory. D'une façon définitive. In a complete way. Pas possible. It's not possible. Celui qui sème la chair moissonnera de la chair la corruption. The one who sows with the flesh will reap from the flesh corruption. Celui qui par l'esprit fait mourir les actions du corps vivra. The one who through the spirit will put an end to the actions of the flesh of the body will live. C'est ce que nous révèle la vie de Saül. This is what reveals to us the life of Saul. Saül était rempli d'orgueil. Saul was filled with pride. Il recherchait l'exaltation de sa personne. He wanted self-exaltation. Il n'avait même pas encore achevé sa mission. Il avait déjà bâti un monument pour lui-même. He had not yet finished his assignment. He had already built a monument for himself. Toutes les batailles menées par la puissance de la chair. All the battles led by the power of flesh ne peuvent pas établir les gens dans une victoire définitive. Cannot establish people into a complete victory.
C'est ce que nous révèle le personnage de Saül. This is what portrays the personality of Saul. Et nous notons que Saül était un homme rempli d'orgueil. Saul was a man filled with pride. Il recherchait l'exaltation de sa personne. He was looking for self-exaltation. Il n'avait pas encore achevé la mission qui lui avait été assignée. He had not yet finished his assigned task. Il avait déjà érigé un monument en son nom. He had already built a monument on his name. Lisez pour nous 1 Samuel 15, 10 à 12. 1 Samuel 15, 10 and 12. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Amen. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. Amen. Dieu avait assigné une tâche à Saül. God had given a task, a work to do to Saul. Il devait détruire les Amalécites. He had to destroy the Amalekites. Tout ce qui était vivant. Everything that was living. Et qui appartenait aux Amalécites devait être dévoué par interdit. That belongs to the Amalekites was to be completely Même destroyed. Même leurs richesses ne devaient pas être prises comme butin. Even their wealth shouldn't be taken as a plunder. Il est donc c'était une mission qui devait faire de lui le grand roi de la terre. It was a mission that was going to make of Saul the great king of the earth. Il est parti. He went. Il a épargné les brebis grasses. He kept aside the fatty flock. Il a épargné le roi. He kept aside the king. Il a gardé Agag en vie. He kept King Agag alive. Il n'a pas fini le travail, il est parti. Il est parti s'ériger un monument au Carmel. Then he went and built a monument in his own honor. Dieu a dit à Samuel, je me repens d'avoir choisi celui-ci comme roi. God told Samuel, I repent and I regret to have chosen him as king. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. He was already filled with the Holy Spirit. Et il avait reçu un nouveau cœur. And he had received a new heart. Il devait fuir le péché. He was to run away from sin. Quand tu as un nouveau cœur, ton travail c'est d'éviter le péché, c'est tout. When you have a new heart, your work is to avoid sin. That's all. Et pour ce qui nous concerne, nous de la Nouvelle Alliance. And concerning us under the new covenant. Nous avons appris pendant la croisade que Jésus nous a séparés du péché. We learned during the crusade that Jesus has separated us from sin. Il a opéré une séparation radicale entre nous et le péché. He operated a radical separation between us and sin. Nous devons nous considérer comme des gens dont la chair a été anéantie. So we have to consider ourselves as people whom the flesh has been completely destroyed. Et nous devons maintenant veiller à ce que nos membres soient consacrés à Dieu. So now we have to watch so that our members be consecrated to God. Que nos membres ne soient plus consacrés au péché. So that our members will no longer be consecrated to sin. Donc nous venons de montrer qu'il était orgueilleux. So we have just portrayed to you that he was a proud man.
Lisons dans 1 Samuel chapitre 15, versets 13 à 16. 1 Samuel 15, verset 13 à 16. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » Ça, nous allons voir comment il ment même, il ment. We are going to see how he lies. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel, when Samuel reached him, Saul said, The Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. But Samuel said, What then is the bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear? Saul answered, The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroy the rest. Verse 16. Enough, Samuel said to Saul. Let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me, Saul replied. Amen. Merci d'ouvrir nos yeux sur cet aspect spirituel. Nous pouvons penser que tout va bien après la Pentecôte et rechuter, tomber dans le désordre. Merci pour cet enseignement qui vient pour corriger, pour nous dresser, pour nous éclairer. Oh, pour ma part, je prends l'engagement de veiller sur ma vie, de veiller sur mon cœur, de veiller sur l'héritage que tu m'as donné. Et je prie qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons que même quand Samuel veut lui montrer son péché, il ment, il se justifie en accusant les autres. Il dit c'est le peuple qui a gardé ça. Even when sacrifié Samuel, à l'Éternel, ton Dieu. Even when Samuel wanted to show Saul his sin, he lied. He said it is the people who has kept it to sacrifice it to the Lord your God. Lis en français seulement du verset 17 au verset 23. In French only verse 17 to 23. Samuel chapitre 15, du verset 17 au verset 23. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Why did you not obey to the Lord? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as fait ce qui est mal et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Saül répondit à Samuel. Écoutez sa réponse. Listen to his answer. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. I did obey the Lord. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. I went on the mission the Lord assigned me. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. I brought back Agag, their king. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. I completely destroyed the Amalekites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs.
The soldiers took sheep and cattle from the plunder. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin comme prémisse de ce qui devait être dévoué the best of what was devoted to God. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. In order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Ça flatte, mais quand tu as le discernement, tu sais que c'est un gros mensonge. It flatters, but when you can discern, you know that it's a big lie. Une grosse justification de soi. A big self-justification. Verset 22. Verse 22. Samuel dit. But Samuel replied. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice? Et les sacrifices? Et dans les sacrifices? And sacrifice? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? As much as in obeying the Lord? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici, écoutez bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. To obey is better than sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. And to heed is better than the fat of the rams. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. For rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Because you've rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. En plus de ces péchés, orgueil, mensonge, in addition to désobéissance, the sin of pride, lie, disobedience, Saül était un homme rempli de jalousie. So was a man filled with jealousy. Il engagea une guerre contre David tout simplement parce que les femmes avaient chanté des louanges à David, vainqueur de Goliath. He waged a war against David simply because the women sang a hymn in the honor of David who won against Goliath. Prenons 1 Samuel 18, verset 6 à 16. 1 Samuel 18, verse 6 to 16. Oui, vas-y. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient : Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit : On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sautait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui.
Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Je reprends le verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sautait et rentrait à leur tête. Amen. Donc les femmes avaient chanté. The women sang. Saül a tué 6 000, David c'est 10 000. They said, David, Saul killed his 1,000 and David his 10,000. Il a dit, David doit mourir. He said, David must die. Quoi? What? Amon attribue 1,000 et à lui 10 000. To me they give 1,000 and to David they give 10,000. Tout ce que nous venons de dire. Everything we've just said. Permet de comprendre une chose. Enable us to understand one thing. Disons dans 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel 1. Lis à partir du verset 11. From verse 11. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11. Jusqu'au verset 27. Till verse 27. Du verset 11 au verset 27. Pour gagner le temps, vous notez du verset 11 au verset 27, mais vous commencez à lire le verset 17. In order to have time, you're going to write from verse 11 to 27, but we're going to start the reading from verse 17. Verset 17. Écoutez. Listen. C'est le cantique funèbre qui pose une seule question et la réponse est dans tout ce que nous venons de voir. It Vas-y. Is the hymn which pose one question and the answer is in everything that we've just seen. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. A gazelle lay slain on his hide, Israel. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? How the mighty has fallen. Ne l'annoncez point dans Gath. Ne l'annoncez point dans Gath. Tell it not in Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Proclaim it not in the street of Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Let the daughters of the Philistines be glad. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Let the daughters of the uncircumcised rejoice. Montagne de Gilboa. Montagne de Gilboa. Mountains of Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. May you have neither dew nor rain. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Ni champ qui donne des prémices pour des offrandes. May no shower fall on your terrace field. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Car là ont été jetés les boucliers des héros. For there the shield of the mighty was despised. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. The shield of Saul no longer rubbed with oil. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. From the blood of the slain, from the flesh of the mighty, the bow of Jonathan did not turn back. The sword of Saul did not return unsatisfied. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort.
Saul and Jonathan, in life they were loved and admired, and in dirt they were not parted. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. They were swifter than eagles. They were stronger than lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Daughters of Israel, weep for Saul. Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi. Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi. Who clothed you in scarlet and finery. Qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Who adorned your garment with ornaments of gold. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat. How the mighty have fallen in the battle. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines. Jonathan lies lay on your heights. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. I grieve for you, Jonathan, my brother. Tu faisais tout mon plaisir. Tu faisais tout mon plaisir. You were very dear to me. Ton amour pour moi était admirable. Ton amour pour moi était admirable. Your love for me was wonderful. Au-dessus de l'amour des femmes. Au-dessus de l'amour des femmes. More wonderful than that of women. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? How the mighty have fallen. Comment leurs armes se sont-elles perdues? Comment les armes se sont-elles perdues? The weapons of war have perished. La réponse. The answer. Saül. Saul. A abandonné le chemin de Dieu. He forsook the way of the Lord. Il ne pouvait pas gagner les batailles. He couldn't win battles. Il est mort. He died. Tué par les incirconcis. Killed by uncircumcised. Il n'a pas suivi le chemin de la justice. He didn't follow the path of righteousness. Au contraire de David. At the contrary of David. David avait suivi le chemin de Dieu. David followed the pathway of God. Il a gardé le conseil de l'Éternel. He kept the advice of the Lord. Lisons dans 1 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel 23. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Samuel 23, verse 1 to 6. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Dieu s'est révélé à David. God revealed himself to David. Il lui a parlé. He spoke to him. Qu'est-ce qu'il lui a dit? What did God tell him? Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas jamais tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Amen. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Il faut régner avec justice. You have to reign with righteousness. Et il a marché dans la justice. And he walked in righteousness. Il pouvait dire à Dieu, sonde-moi, connais mes pensées, connais mon cœur. He could tell the Lord, search me, know my thoughts, know my heart. Quand il tombait dans un péché, il se repentait avec hardiesse.
When he fell in a sin, he would repent bitterly. Il a offert des sacrifices. He offered sacrifices. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour la construction de la maison de Dieu. He prepared everything needed for the construction of the house of God. Il n'était pas comme Saül. He was not like Saul. Qui a couru bâtir un monument sans Dieu. Who ran to go and build a monument without God. David craignait Dieu. David was fearing God. Et il aimait Dieu. And he loved God. Et il gardait même la parole de Dieu. And he kept the word of the Lord. Il médite la parole de Dieu. He meditated upon the word of the Lord. Lisons 1 Chronique 18. Let's read 1 Chronicles chapter 18. Lis à partir du verset 1 rapidement. From verse 1 quickly. Lisons le style de guerre de David. On va commenter ça un autre jour. Let's read the style of war of David. Allons-y. We're going to comment après it another cela, day. Vas-y. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il battit les Philistins et il les humilia. Acclamez. He defeated the Philistines and subdued them. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il arrachait les villes. Il bat away towns. Et prend les villes qui étaient sous l'autorité des Philistins. He defeats and he overtakes the towns under the authority of the Philistines. Il bâtit les Moabites. Il bâtit les Moabites. He defeated the Moabites. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. And they became subject to him and brought him tribute. Ils payaient les impôts. They were paying taxes. En tremblant. Trembling. David bâtit Hadarezer, roi de Soba. David bâtit Hadarezer, roi de Soba. David defeated Hadarezer, king of Soba. Vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. When he went up to set his monument at the Euphrate River. David lui prit 1000 chars. David lui prit 1000 chars. David il a arraché 1000 chars. Acclamé. He captured a thousand. Acclamé très fort. Jésus-Christ. Et continue. 7000 cavaliers. 7000 cavaliers. And 70,000 charioteers. Et 20,000 hommes de pied. Et 20,000 hommes de pied. Acclamé pour David. And 20,000 foot soldiers. Ça c'est les victoires de l'obéissance et les victoires de la plénitude de cet esprit. These are the victories of obedience and the fullness of the Holy Spirit. 1000 chars, 7000 cavaliers. 1000 chariots, 7000 charioteers. Et 20,000 hommes de pied. And 20,000 foot soldiers. Continue. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait pour qu'il n'y ait même plus que personne ne le poursuive. He hamstrung all but 100 of the chariot horses so that no one could follow him. Et ne conserva que 100 attelages. Il garde ce qu'il veut garder. He kept what he wanted to keep. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarezer. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarezer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et David bâtit 22,000 Syriens. Et David bâtit 22,000 Syriens. David struck down 22,000 of them. Les victoires de la plénitude de cet esprit. The victories of the fullness of the Holy Spirit. Les victoires de l'obéissance. The victory of obedience. La Bible dit que Saül a passé toute sa vie à combattre contre les Philistins. Toute sa vie, dès qu'il voyait un vaillant, il le recrutait. The Bible says that Saul spent all his life fighting against the Philistines. Toute sa vie. All his life, once David he saw a mighty frappe, man. Il vous humilie, il vous laisse tous coucher, il s'en va ailleurs. David will strike you, defeat you, and humiliate you, and move on. Continue. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. He put garrison in the Aramean kingdom of Damascus. Et les Syriens furent assujettis à David. Et les Syriens furent assujettis à David. And the Aramean became subject to him. Et lui payèrent un tribut. Et lui payèrent un tribut. And brought him tribute. L'Éternel protégeait. Écoutez. Listen. Oui, dis fort. L'Éternel protégeait David partout
où il allait. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Il the va Lord le faire pour toi. Gave David victory wherever he went. He's going to do it for you. Partout où tu iras. Wherever you will go. Le Seigneur va te protéger contre les petits sorciers qui the Lord will protect you against little wishes. Partout. Wherever. Il va poser la main sur toi. He's going to lay his hands upon you. Continue. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer. David took the gold sheet carried by the officers of Adarézer. Vous faites quoi avec ça? Donnez he ici. He snatched it. C'est le roi qui parle. It's the king who is speaking. Ils se mettent à genoux et ils remettent tout. They will just bow down and give everything. Tu t'amuses, il te frappe. You joke, he's going to strike you. Continue. Et les apporta à Jérusalem. Et les apporta à Jérusalem. And brought them to Jerusalem. Continue. David prit encore une grande quantité d'airain à Tipchat. David prit encore une grande quantité d'airain à Tipchat. David took a great quantity of browns. Et à Kun. Et à Kun. To Tibab and to Kun. Ville d'Adadézer. Ville d'Adadézer. The town of Adarézer. Salomon en fit la excusez-moi. Salomon en fit la mer des reins, les colonnes et les ustensiles des reins. Continue. Tohu, roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Soba. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer. Celui-là était sage. This one was very wise. Il dit que cet homme-ci, he said, this man, je préfère envoyer une ambassade le saluer. I'll better send an embassy to go and greet him. Et le féliciter, sinon ma tête. And congratulate him. Acclamons pour David. Clap offering for David. Lis le verset 13. Read verse 13. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Etc., etc. And so on. Vous voyez que nous ne gagnons rien à être des rebelles. So you see that you win nothing being rebellious. Suivons les traces des gens comme David. Let's follow the pathway of people like David. Aime tes frères. Love your brethren. Prie pour eux. Pray for them. Tiens-toi avec ton dirigeant. Stand with your leader. Pour l'aider à vaincre l'ennemi. To help him overcome the enemy. Pour l'aider à établir son autorité. To help him establish his authority. Sur les forces démoniaques. On demonic forces. Ne dors pas chez toi alors qu'on a la prière ici. Don't sleep in your house while we are praying here. Viens. Come. Prions. Let's pray. Sortons. Let's go out. Gagnons les âmes. Let's win souls. Gagnons-les dans les rues. Gagnons-les dans les maisons. Let's win them on the streets. Gagnons-les in dans houses, cette salle. In this hall. Gagnons-les à Tchekwa. Let's win même them en allant, même dans les rues, la route qui mène à Tchekwa, gagnons les âmes tout au long de cette voie-là. Even on the street, all the pathway leading to Tchekwa, let's win souls. Gagnons les villages qui entourent. Let's win villages around. Nous avons du travail. We have work. Que l'ennemi ne nous distrait point. Let the enemy not distract us. Quand tu consolides ton appel. When you consolidate your call. Par l'obéissance, une obéissance volontaire. Through a willful obedience. Une obéissance qui te coûte. Through an obedience that is going to cost you. Quand tu acceptes la pression. When you accept pressure. Parce que tout le monde travaille. Because everyone is working. Mais les gens qui sont vainqueurs sont ceux qui travaillent dur. But those who overcome are those who work hard. Les vainqueurs sont les travailleurs durs. The overcomers are hard workers. C'est-à-dire quand l'énergie naturelle s'arrête, when the natural energy stops, tu fournis un effort supplémentaire.
You give a supplementary effort. C'est là que se trouve la différence. This is where the difference is found. Sinon, tout le monde se lève. If not everyone gets up. Tout le monde passe une journée. Everyone spends a day. Mais les résultats sont différents. But the results are different. Tenons-nous debout. If you want to pray, please let's be on our feet. Rejette le modèle de Saül. Reject Saul's model. Attache ton cœur et ta réflexion au modèle de David. Attach your heart and your thoughts to the model, to the example of David. Prions ensemble. Let's pray together. Pose les mains sur ta tête et dis, Seigneur, renouvelle mon onction. Lay your hand on your head and say, Lord, renew my anointing. De chaque jour, demande que Dieu renouvelle ton onction. Every day, ask the Lord to renew your anointing. Maintenant que tu sais comment l'Esprit travaille. Now that you know how the Spirit works. On ne dit pas que j'avais reçu l'Esprit. You don't say, I had received the Spirit. Parce qu'il faut que l'Esprit soit renouvelé. Que la plénitude soit renouvelée. Because the fullness needs to be renewed. Oh Père, renouvelle mon onction. Say, oh Lord, renew my anointing. Oh Père, renouvelle mon désir de combattre. Oh Lord, renew my desire to wage war. Oh Père, accompagne-moi partout comme tu as accompagné David. Oh Father, see me through, be with me everywhere where you were with David. Au nom précieux de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus. Amen. Amen.